N'a pas touché là. On va le voir après. C'est une technologie qui permet de protéger, donc d'éviter les blessures des arbres. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer le rendement du liège. Donc à travers cette technologie, on peut obtenir des planches de liège plus grandes et aussi éviter les morceaux de liège qui sont souvent dévalorisés dans l'exploitation de liège. Et le troisième objectif, c'est de permettre donc une meilleure adaptation à la période de récolte, puisque avec les changements climatiques, on a remarqué que cette période devient très variable et très réduite. Dans le cas de la mine, dans laquelle la Morin fait partie avec Comatral et tous les autres industriels, on est tout à fait disponible dans le cadre du partenariat pour amener toute l'expérience qu'on a au Portugal, auquel nous, à Morin, on est propriétaire forestal, on est industriel, mais aussi on a des propriétés forestales, et qu'on peut amener tout ici toute l'expérience qu'on a et toutes les nouvelles technologies qu'on est en train de développer avec un gros investissement en recherche et développement. Avec la machine, nous allons travailler plus proprement et plus sainement, c'est-à-dire que la machine, elle va prendre soin de l'écorce de liège, donc il y aura pas moins de blessés qu'avec la hache qu'on utilisait auparavant. Et donc on aura des planches beaucoup plus grandes, donc moins de morceaux, donc une valeur marchande qui est plus importante. وتا القيمه السوقيه دابا غادا تطلع بالنسبه للفرشي ولا التكنيسيان ديال الاله والاله فيها واحد الفائده اللي فيها هي تتريق الحسبه الشجره اللي غتمشي لها انت واش فيها 40 واش فيها 30 ديال البيس واش فيها كل وحده شحال فيها ديال الديامتر ديالها